Merci, chers collègues. Vous pouvez vous asseoir. On n'a pas encore le quorum. La séance est ouverte. Je demande au rapporteur de procéder à l'appel nominal conformément aux articles, à l'article 35 alinéa 3.2 de notre règlement intérieur. Monsieur le rapporteur, j'ai tendance à regarder à droite parce que la fois passée vous étiez à droite. Dans l'entretemps, en attendant que les rapporteurs procèdent à l'appel nominal, le week-end dernier, deux de nos collègues ont fêté leurs anniversaires. Il s'agit des honorables Cheikh Okitu Lundula et Mwando Katempa Christine. Au nom de l'Assemblée plénière et en celui du bureau, nous leur souhaitons un heureux anniversaire. Rapporteur, vous avez la parole. Agito Amela Carole. Présent. Assoumani Amani Jean-Baptiste. Aouchai Asenga Médard. Badibanga Tita Sami. Badou Wabadou Konfi. Bahati Lukwebo Modeste. Présent. Bakomito Gabou Jean. Bale Bila Basile. Bampunga Ndombo Benteke Richard. Baopoko Baike Lidi. Batumoko Afuzunde Jean-Pierre. Bayukita Makula James. Bazego Tebuseli Papi. Bemba Ndokwa Françoise. Bikenge Moussimbi Jérôme. Botakile Denise. Boshab Mabunj Evaris. Boulansung Sanata Nathalie. Dasio Mokfe Tali. Ekanga Lushima Moïse. Ndundo Bononge José. Etumba Boyengo Tristan. Fikiri Alimasi Dedoné. Girengo Vene Valentin. Goya Kitenge Bijou. Ilanga Bakonga Rigen. Ilunga Chivula Ogi. Ilunga Kitombolo Alain. Imana Mbile Norbert. Ignoki L'Enflet Sacré. Voilà. Kabamba Waumba Isabelle. Kabanda Kayoboti Pierre. Kabedi Kazadi Micheline. Kabila Kabange Joseph. Kabwe Mwe Ulongo Isdor. Kambai Chimbumbu Deni. Kamitatu Marie-José Sona. Kamonji Naserwa Ida. Kanyimbu Shindani Michel. Présent. Kapia Tumba Augustin.
Katumwa Mukalai Viki. Kaumba Lufunda. Kazadingoi Gabriel. Kazadinyembwe Dedoné. Kibaya Munembwe Jean-Pierre. Kidima Nzuba Ida. Kimbuta Yango André. Pama Baramoto Kata Filemon. Lelo Nzazi Roli. Lilongo Bouchili Banza Jean-Lori. Luando Mboyo Gui. Lubala Biroachiroa Patrick. Lukamata Kulu Colette. Luese Bakwamoyo Victorine. Mabaya Gizi Amine Jean-Philibert. Makangu Kabongo Georges Rick. Mouguba Ituda Milamba Léon. Manza Andia Dieudonné. Mangiadi Bifulu Aimé Patience. Mapenzi Maneno. Matata Ponyo Mapon Augustin. Bongo Mbonga Magalu Ngwanda Louis. Mbuingoi Odette. Miruo Mugorozi Stéphane. Mobutu Giala Kasa Albert Philippe. Mokelo Mumba Kebeke Celestin James. Mokolo Wampombo Edouard. Moleka Liambi Jean de Dieu. Molicho Sadi Didier. Mona Lux ML Mona Kayoko Pauline. Mosisi Makota Mike. Mpai Mumpele Fidel. Mwaka Mwaka Roger. Mukalai Kiondo Celestine Hortense. Mukilti Baumbilia Jean. Mumengi Chikudi Didier. Il est là. Merci. Mundela Kanku Edi. Mungwananjo Boye Kombo Djedonet. Mutombo Mbwebwe Hippolyte. Muyamba Ngovo John. Muyumba Fura Francine. Muzangisa Mutalenu Laurent. Mwanfwa Bopali Frédéric. Mwando Katempa Christine. Mwantadi Banjila Chibondu Boni. Mwendabantu Munongo Godfroy. Ngabani Govali Adonis. Mbonda Doli Nestor. Budianza Bayokisa Kisula Nefertiti. Mikomba Sabangu Madeleine. Tumba Mbui Flori. Omba Penedjunga Raymond. Pande Kapopo Celestin. Rubouye Akizimwami Eric. Salabia Isambakana Augustin. Sanguma Temongonde Moussaï. Présent. Chez Okitundu
Dundula Léonard, Tamboué Mwamba Alexis, Tibasima Mbongemu Ateni, Ukechi Moswa Rundi Alphonse, Ulungu Ekunda Lukata Berton. Uweka Ukaba Piero, Vunabandi Kanyamiigo Celesta, Zabalafio Angala Jean-Pierre, Ziaka Angelani Ange. Merci, honorable rapporteur. Avant que l'on procède à l'appel nominal, nous étions déjà à 56, mais des collègues nous ont rejoints par la suite. S'ils peuvent se signaler, et au cours de nos travaux, nous communiquerons au fur et à mesure l'évolution du quorum. Mais le quorum pour siéger est déjà atteint. Kazadi Nyemboué Djedoné. Oui, il est là. Voilà. Pardon. D'accord. Vous êtes encore jeune, vous pourriez toujours repartir au lieu d'attendre. Voilà. Voici le résultat de l'appel nominal en ce moment. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 60 membres sont présents. Le quorum étant atteint, le Sénat peut valablement siéger conformément à l'article 85, alinéa 1er du règlement intérieur. L'ordre du jour de cette séance comporte les points suivants. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Communication du bureau. 3. Examen et adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2021. Et 4. Il y aura un huis clos. Y a-t-il d'objection à cet ordre du jour? Merci. Voilà, je regarde, voilà. Nous allons donc l'adopter, on va le manifester. Qui sont pour l'ordre du jour? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Ainsi donc, l'ordre du jour est adopté. Avant de poursuivre nos travaux, je demande au rapporteur de donner lecture du procès-verbal de la dernière séance. Monsieur le rapporteur. Motion d'information honorable Makila Soumanda José. Vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, je suis sûr que vous avez tous suivi une vidéo qui circule sur notre forum. Il s'agit bien d'une interview accordée par l'IGF aux journalistes. Honorable Président, chers collègues, nous sommes de la deuxième institution de la République, l'article 68 de la Constitution. La plupart de cette salle ont eu une expérience à léguer à nos enfants.
Beaucoup d'entre nous ont travaillé pour la République. Et deux fois, au prix de leur vie. Beaucoup d'entre nous ont donné. J'ai des exemples ici dans cette salle. Je prendrai l'exemple de ma collègue Vicky Katoum, qui est allée comme PCA à l'ONATRA. Elle n'était pas malade, elle n'était pas hypertendue. Elle est sortie de là hypertendue. C'est une partie de sa santé qui est partie. Chers collègues, l'article 12 de la Constitution et 62 de la Constitution nous renseignent. Personne n'est au-dessus de la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. L'UGR, haut fonctionnaire, a un droit de réserve. La déontologie et l'éthique du fonctionnaire public de l'État. On ne peut pas se mettre à qualifier toute une chambre de voleur parce que vous avez géré. Vous avez volé, vous êtes venu vous cacher ici. C'est anormal. Comment on peut jeter de l'opprobre sur notre chambre et nous faisons comme si de rien n'était? Nous nous taisons. On ne parle pas d'un individu, on parle du Sénat. On parle du Sénat. La chambre de sagesse. La chambre de prestige. Pour certains d'entre nous, ils s'approchent de la fin de leur carrière politique. Ils viennent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pas pour qu'on nous jette de l'opprobre dessus. Nous n'acceptons pas cela. Alors, honorable président, en vertu de l'article 32 de notre règlement intérieur, vous avez la charge de nous représenter partout. Il faudra, honorable président, à défaut de faire venir le ministre des Finances ici, de qui le monsieur dépend, pour nous donner des explications, il faudra saisir le procureur général de la République. Ceci va de notre honneur. Nous n'accepterons pas cela en tant que sénateur, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'institution. Les hommes passent, les institutions restent. Vous avez ce pouvoir en vertu de l'article 32, si je ne me trompe pas, alinéa 17 et 23. Honorable président, je suis choqué, frustré à l'intérieur de moi-même. Je ne l'accepterai pas parce que j'ai travaillé pour ce pays, j'ai enduré pour ce pays et je n'ai pas volé. Et il ne faut pas que ce monsieur se mette du jour au lendemain et commence à qualifier les sénateurs de voleurs. Nous n'accepterons pas ça. Je dis et je vous remercie. Chers collègues, vous venez de suivre la motion de notre collègue José Makila Soumanda. Je vais demander à un collègue qui soutient la motion de passer au micro. Et s'il y a quelqu'un qui est contre, dépasser, et après nous allons délibérer sur cette pertinente motion. Grand président. Venez au micro. Grand président, c'est une motion d'information qui n'appelle pas au débat. Prenez seulement acte de la proposition de l'honorable Makila, comme il vous l'a si bien dit, selon vos prérogatives énumérées à l'article 32. Merci. Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'inspection générale des finances dépend du président de la République. Et donc, je vais demander à quatre collègues de préparer une note que nous allons adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour solliciter son autorisation envie d'inviter ici et le ministre des Finances et l'inspecteur général des Finances. Sommes-nous d'accord? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester.
Merci. Ceux qui sont contre, les abstentions, eh bien, la proposition, oui, il y a deux abstentions. Merci. Trois abstentions. La proposition est retenue et il y a urgence. Vous avez, on a 48 heures. Alors, bien sûr, parmi les quatre, il y aura le collègue José Makila, qui est initiateur. Puis-je prendre quelques volontaires, s'il vous plaît, quelques volontaires. Honorable Vicky Katuma, oui, qui d'autre? Il nous manque deux autres volontaires. Collègue Tchikes Diem et collègue Mungwananjo. Ce n'est pas que je n'ai pas vu Mawatadi, mais je voulais qu'il y ait quand même deux femmes dans la commission. Merci beaucoup. Donc, les collègues, vous vous mettez en contact avec le rapporteur pour rédiger, d'abord auditionner ce qu'il a dit, parce que c'est facile de rentrer sur le site. On auditionne, d'autant plus qu'il n'a pas fait de distinguo, c'est-à-dire tout le monde a été qualifié comme tel. Et donc, vous allez auditionner et en fonction de cela, vous rédigez un petit rapport que nous transmettrons à son Excellence, monsieur le président. Il en notre ordre du jour. Maintenant, c'est la lecture du procès verbal du 15 mars 2021. Rapporteur, vous avez la parole. Procès verbal numéro 15 mars 2021. De l'ouverture. Après l'exécution de l'hymne national, la séance est ouverte ce lundi 15 mars 2021 à 11h11 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 66 membres sont présents. 23 excusés. Deux sièges sont à pourvoir. De l'ordre du jour, un seul point figure à l'ordre du jour, à savoir la locution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2021. Le déroulement des travaux. Dans l'introduction de son allocution, M. le Président évoque l'appel du Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour la mise en place de l'Union sacrée de la nation, qui est une vision républicaine pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Ensuite, au nom des membres du bureau nouvellement élu, il remercie les sénateurs et souligne la confiance lui témoignée pour conduire le nouveau bureau définitif qu'il qualifie de genré en raison de la présence de trois sénatrices. Au suivant son adresse, sur le plan politique, Monsieur le Président définit l'Union sacrée de la nation comme un élan de prise de conscience collective pour la réalisation du bien-être et une opportunité de poser les jalons décisifs du décollage de la République démocratique du Congo. Exhorte les députés nationaux et sénateurs à se pencher sur des projets ou des propositions de loi en vue de doter le gouvernement d'un arsenal juridique pour assurer la bonne gouvernance et atteindre les objectifs de développement, notamment par des réformes qui touchent au processus électoral, à la gouvernance des provinces,
à la nationalité, au climat des affaires, à la sécurité judiciaire et à la promotion des investissements dans les secteurs clés. Suggère au gouvernement en gestation de faire de la question de l'insécurité la priorité des priorités, spécialement dans les zones de conflit. Salue la position du président de la République dans son appel adressé à l'ensemble du monde pour se liguer contre toute forme de terrorisme qui écume l'est du pays. Sur le plan économique, Monsieur le Président affirme que l'économie de la République démocratique du Congo, à l'instar de toutes les économies au niveau mondial, est secouée par les effets néfastes de la COVID-19, tels les ralentissements de la production, de la croissance, la hausse de l'inflation, un fléchissement de la demande extérieure et une baisse drastique des prix du pétrole et des métaux. Considère que la politique de dépendance devra céder la place à un véritable plan d'investissement du gouvernement qui doit se tourner vers l'agriculture, l'élevage, la pêche et envisager l'implantation des industries de transformation. Sur le plan international, Monsieur le Président se réjouit de la présidence de l'Union africaine par la République démocratique du Congo et de son entrée à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, souligne la détermination du président de la République d'améliorer la diplomatie de notre pays devenue fréquentable. Sous le plan du vécu quotidien de la population, Monsieur le Président encourage l'initiative du président de la République au travers de l'Inspection générale des finances. Salue la décision du gouvernement pour la reprise des activités scolaires, académiques et l'exhorte à intensifier les recherches afin d'identifier les meilleurs vaccins contre la COVID-19, à réglementer l'exercice de l'activité et la circulation des taxis-motos, à se pencher sur les mécanismes devant permettre la construction en qualité et en quantité des infrastructures scolaires et à songer à l'amélioration de la prise en charge globale des enseignants à travers tout le pays. Sur son mandat à la tête du Sénat, Monsieur le Président énumère 13 points sur lesquels s'articulera son action, allant de la transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat à la diplomatie parlementaire. Promet d'organiser un cadre de concertation entre le Sénat, les assemblées provinciales et les entités décentralisées, de suivre l'opérationnalisation de la caisse de péréquation. Révèle que le nouveau bureau du Sénat recherche des solutions palliatives à la situation financière catastrophique sur tout le plan hérité du bureau sortant. Monsieur le Président conclut son allocution en invitant les filles et les fils du pays à s'approprier les changements positifs et radicaux prônés par le chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Sur ce, il déclare ouverte la session ordinaire de mars 2021 et lève la séance. Il est 11h43. Fête à Kinshasa le 15 mars 2021.
merci beaucoup. Comme d'habitude, je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations de les transmettre par écrit en dehors des 48 heures auprès du rapporteur. Je rappelle que les justificatifs éventuels des collègues sénateurs qui figurent sur la liste des absents seront pris en compte. À défaut de ces justificatifs, l'absence du sénateur sera considérée comme définitivement actée. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès-verbal. Mais c'est un procès-verbal particulier parce qu'il portait juste sur ma communication. Donc, en principe, c'est le président qui doit faire les observations, s'il en a, au rapporteur. On ne devait même pas en faire, mais nous avons laissé pour, à l'intention de ceux qui étaient absents, c'est juste une sorte d'aide de mémoire. Oui, je vois le collègue Molicho qui... Oui. Oui, vous avez la parole, collègue. Alors, allez-y. Merci, honorable président. C'était juste pour demander de mettre à disposition du sénateur votre discours. Parce que bon, le compte rendu, il reprend, il fait la synthèse de votre discours.